Je suis un héros ensorcelé. Je parle aux animaux, j'adore voler. Si tu rêves aussi de ciel immense, suis-moi mon ami, saisis ta chance. Je m'appelle Liz Holgersson, viens je t'emmène à l'aventure. Liz Holgersson, à nous le monde et la nature. Liz Holgersson, que tu ailles, qui que tu sois, tu peux toujours compter sur moi, car sur le soleil on s'envole. Liz c'est tout simple, tu frappes la pierre avec ta patte et tu vises le trou. Toutes les oies savent jouer à ça, tu sais. Moi, je vais essayer. Tout va bien, Gorgo? Ça va, mais ce jeu est plus compliqué qu'il n'en a l'air. Oh, tu sais, on joue à des trucs bien plus complexes que ça, nous les humains. Regarde-moi. Pas loin, maintenant, regarde ça. Bravo. Ouais, ça y est. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu devrais essayer de tirer de plus près. Oh, mais j'y crois pas. J'en ai marre, j'abandonne. Nils, il faudrait que tu apprennes à être un peu plus patient. Tu vas progresser si tu t'entraînes. De toute façon, ce jeu est pourri. Oh. Ça alors, qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Nils, Nils, où vas-tu? Attends-moi. Oh, on dirait Lina. Bah, elles sont peut-être de la même famille. Salut. Qu'est-ce qui m'arrive? J'y vois plus rien. C'est clair, elle et Lina sont de la même famille. Désolée, vous m'avez surprise et j'ai eu un peu peur. Tout va bien? Oui, ça va. Je m'appelle Nils et lui, c'est Martin. Salut. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Sola. Hey, tu fais des trucs incroyables avec ta baguette. Tu peux recommencer pour qu'on voit ça? D'accord. Oups, désolée, je n'ai pas l'habitude qu'on me regarde. Je vais réessayer. Magnifique. Vous aimez la danse maintenant, maître? Triple buse. Elle a la baguette de lumière elfique. Avec ça, je pourrais plonger le monde entier dans les ténèbres. Et c'est le moment de s'en emparer. Ah hein? Oh non, l'elfe noir. Martin, vite, à l'abri. Attendez, je m'en occupe. Krobak, rapproche-toi et volons-lui sa baguette. Ça ne marche pas, Sola. Laisse tomber. Oh, j'y vois plus rien, maître. Waouh, tu as réussi, Sola. J'ai appris à ne jamais abandonner. Jamais. Je reconnais que t'as du cran. Krobak et l'elfe noir ne sont pas du genre à abandonner non plus. On devrait partir d'ici au plus vite. Tu as raison. Suivez-moi. Je connais un lieu sûr. Ah!
la perdre. Je fais ce que je peux. Elle est ultra rapide. Bon, cette fois, je vais y arriver. Concentre-toi, espèce d'incapable. Allez, un peu de ténacité. Les enfants, il est temps de partir. Mettez-vous en formation. Mais Aka, Nils et Martin ne sont pas là. Oh, où sont-ils encore passés? Gorgo, ils doivent être quelque part sur le lac. Va les chercher. Compris, chef, j'y vais. Il faut pas qu'on la perde de vue. Hein? Ça y est, on est arrivé? On y est presque. Sola, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es si faible? Je ne sais... Oh non, ma baguette, je l'ai perdue. Sans elle, je perds toute mon énergie. T'inquiète pas, on va la trouver. On va te la ramener très vite. Merci, et quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas, d'accord? L'elfe noir ne doit surtout pas mettre la main dessus avant vous. Ça serait une catastrophe. Compte sur nous. Allez, on y va, Martin. Mais on va la chercher où? Elle est peut-être tombée n'importe où. C'est simple, il suffit de retourner sur nos pas, de refaire le chemin à l'envers. On ne pourra pas la rater. Ah, bonne idée. Je sens qu'ils ne sont pas loin. Ouvre les yeux, Crobac. Bien que c'était trop beau. On n'y arrivera jamais, c'est sûr. La forêt est immense et la baguette est minuscule. Courage, Nils. Te laisse pas abattre. Sola compte sur nous. Au moins, ce couvercle m'a donné une idée. Bien. Je suis épuisée. Pourvu qu'il retrouve vite ma baguette. Tu es sûr que ça va marcher, Nils? Sûr. Fais-moi confiance. Allez, Martin, on revient sur nos pas. Oh là là, c'est pire que chercher une aiguille dans une botte de foin. Et si on la retrouve pas, cette baguette, on fait quoi? Je sais pas, Martin. Ça semble impossible de mettre la main dessus. Attends une seconde. On a réussi à rattraper Sola après l'arbre couché. Parce qu'elle avait déjà commencé à ralentir. Allons voir là-bas. Je n'en peux plus, maître. On continue. Concentre-toi. Non. Nils, je t'ai dit qu'on n'y arriverait jamais à la retrouver, cette baguette. Martin, il faut y croire. Là-bas. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bingo. Enfin, le maître de la lumière et des ténèbres, c'est moi. Qu'est-ce que... Oh, encore une ruse de ce maudit gamin. Dépêche-toi, Crobac, ce n'est pas le moment. Abandonné? Je sais, on y va, c'est reparti. Yeah! Allons retrouver Sola, vite! T'as réussi? T'as retrouvé la baguette? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Chef! J'ai fait tout le tour du lac et j'ai vu personne! Mais je ne capitule pas! J'y retourne et je recommence! Gorgo! Une suggestion! Serre-toi de tes ailes cette fois! Sola! Sola! On a ta baguette! Je te retrouve enfin malgré tes petites blagues. Je vois que tu as retrouvé la baguette. Donne-la-moi tout de suite. Jamais. Cette baguette est à moi. Inutile de résister. Sola, attrape. Non, moi, Racine. Sola! D'abord,
je récupère la baguette. Et ensuite, je m'occuperai de toi. Hein? Mais... À mon tour maintenant. Oh non, 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 non. À moi, assez. Je n'y vois plus rien. Krobak, aide-moi à partir d'ici. Où êtes-vous passé, maître? Je n'y vois rien. Dunaire, espèce de pont à rien. Secoue-toi. Je fais au mieux, maître. Où êtes-vous? C'était fantastique, Sola. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Merci, Martin. Et merci à toi, Nils. J'ai réussi en prenant exemple sur toi. Tu ne t'avoues jamais vaincue. Tu es très courageuse. Vous êtes partie sans m'avertir. Encore une fois! Désolée, Aka. Une amie avait besoin de notre aide. Oh. Chef! Hein? J'ai échoué, chef! Je n'ai pas retrouvé Nils et Martin. Hein? Oh! Martin! Nils! Vous êtes là tous les deux! Oh, Nils, Nils, il faut que je te montre. J'ai fait des grands progrès à ce jeu. Je me suis bien entraîné, tu sais. Yeah! Wow, trop fort, Gorgo. À moi. Allez, Nils, tu vas y arriver.